Chers frères et sœurs, voici Noël, un trésor immense nous est donné à un nouveau-né dont le nom est Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Fondez sur lui toute votre vie, tous vos projets. En effet, quelles que soient les difficultés de l'année, je peux vous affirmer que vous resterez toujours debout, car dans Luc 6, chapitre 6, versets 47 et 48, Jésus vous laisse une promesse. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément. Et il a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Recevez de Dieu l'amour, son amour qui peut tout. Je suis heureuse de vous souhaiter un joyeux Noël et mes meilleurs voeux pour l'an 2021. Gros bisous. Tout d'abord, je vous souhaite à tous et à toutes les joyeux Noël, la joie, la paix. La paix au cœur, malgré la situation différente de cette année. Aurons-nous un peu plus de temps pour nous concentrer sur le vrai sens de Noël Vous savez que j'aime bien les cantiques. Et tout au long de cette année, et certainement aussi pour l'année prochaine, j'ai un cantique qui me. Poursuis même un peu. Permettez-moi de le partager avec vous. Vous le connaissez certainement tous. C'est Confie à Dieu ta route. Dieu sait ce qu'il te faut. Jamais le moindre doute ne le prend en défaut. Quand à travers l'espace il guide astres et vents, ne crois-tu pas qu'il trace la route à, à ses enfants quelle assurance. Allons avec confiance dans la nouvelle année et que Dieu vous bénisse tous. Que la lumière de Noël, incarnée par Jésus-Christ, renforce notre espérance et nous permette de traverser cette période troublée avec confiance et paix. Christ chemine à nos côtés. Je vous souhaite un joyeux Noël et une année 2021 remplie de sérénité. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans cette nouvelle année qui nous attend. Ce 2021 que l'on souhaite dans la santé recouvrée pour tous, et que Noël soit le gage d'une nouvelle naissance pour chacun dans la paix du Dieu Sauveur. Dans l'esprit de Noël, il y a la paix. Dans le miracle de Noël, il y a l'espoir. Dans le cœur de Noël, il y a l'amour. Alors, joyeux Noël à tous, joyeux Noël à vous tous, et que l'année 2021 soit pleine de sérénité, de paix et de santé, de petits plaisirs et de grandes joies et remplie de bonheur. Il a été écrit Il n'est pas bon que l'homme vive seul. En ce temps de confinement où l'on se retrouve souvent seul, en tête à tête, je voudrais vous transmettre, en même temps que mes vœux d'une année 2021 bonne et heureuse, je voudrais vous transmettre les dernières paroles de Jésus de Nazareth, adressé à ses disciples au moment de l'équité. Sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.